toi. J'embête personne ici, je suis tout seul. J'ai les cheveux un peu longs, un peu la barbe, toujours plus ou moins bien habillé. J'ai toujours une réputation un peu de jalouse, quoi. Tu demandes rien à personne, tu vis ta vie, t'es heureux. Enfin, moi, à tous ces gens-là, je vais leur dire quelque chose. J'ai 46 ans et j'ai trouvé quelque chose que beaucoup n'ont pas. J'ai trouvé le secret d'une recette. Je veux dire, j'ai trouvé la recette du bonheur, moi. Et ça, je veux que tout le monde le sache. Oh, je suis heureux ici. C'est d'une main, quoi. Dans ta vie, au moment où tu sens que tu vas mourir, n'avoir aucun regret. Tu as fait un choix dans ta vie, il ne faut pas dire au moment où je vais profiter à la retraite, non. Au moment de mourir, tu dois avoir fait ton choix. Tu dois savoir si ta vie a été réussie ou pas. Moi, réussir ma vie, c'est ça. Être au bord de la tour, dans la tour, voir des éphémères, prendre de jolis poissons, voilà. Mais ça, il n'y a que la nature qui peut donner un spectacle aussi fabuleux. Tu vois, moi j'ai 50 ans et je suis toujours aussi jeune dans ma tête parce que tous les jours, je découvre quelque chose. Je pense pas finir vieux grognon ni vieux plein de cheveux. Waouh! Moi je vais arroser. Thank you.
tu vas pouvoir soulever ça tout seul. Mais celles-là, elles sont trop belles. Qui se cache là-dedans? Qui se nourrit des graines? Un pince-oreille. Chou que j'ai coupé, un chou pointu que j'ai coupé à sa base. On peut le voir là. Et du coup, il retonne 3 rejets. Et je pense qu'il va me refaire des choux. Là, j'en ai un autre aussi. Plus petit, j'ai dû le couper plus tard, mais ça, c'est du chou rouge. Elle le désire, c'est une
Et... T'as juste envie de créer un jeu de société avec ses graines, un jeu de dames, un awalé, je sais pas, plein de jeux. Tu le vois l'awalé là? Je le vois. Alors, tu fais dodo partout toi? Dans une période de récolte, on est un peu débordé. J'avais fait des soupes. Et les soupes, je comprends pas. Il y en a qui fermentent. On a les courgettes. Donc, il y a les dernières. Les tournesols. Les pois chiches. Les fenouilles que je me fais bouffer au fur et à mesure par les rats aux pieds. Donc, les courgettes séchées. Les betteraves fourragères. Sont énormes. On en a enlevé quelques-unes parce que ça commence à se faire manger aussi. Encore des Little Jack. Donc c'est la suite de la récolte. Encore des courgettes. Donc les courgettes, là, je crois que je vais faire autrement. Je vais les faire en bocaux, en morceaux. Mais non, mais il faut aller jusqu'au bout là, des capucines. La sauce rose clarée, c'est une plante. D'accord. Qui sent super bon. Ouais, attends, je fais la sauce. Et tu peux aromatiser les viandes. D'accord. Les viandes. En sauce. Les sauces de viande. C'est pour faire les sauces de viande. Ça t'intéresse? Tu en auras peut-être besoin dans ton voyage. Tu en auras un peu. T'aimes la viande, Lily? La viande crue? Mmh.
C'est des émotions que je ne trouve pas dans la vie de tous les jours. J'en ai besoin. Je comprends le camé, c'est malheureux à dire, qui a besoin d'un truc, qui a besoin de son air quotidien. Mais moi, c'est la même chose. On me sort d'ici, je meurs. C'est pas une histoire. On me sort d'ici, je meurs. Regarde là. Là, c'était quoi? C'est boire un petit coup. Ah, j'ai marqué. Oui, j'ai marqué ça. Grave. Coucher agréable. Il n'a pas roulé sur la table. C'est la même que l'autre fois. Ouais. Si, c'est la même. Ce que je pratique, c'est une culture. C'est un moyen pour moi de m'évader du quotidien. Quand je suis en action, j'ai l'impression de vivre une vie d'homme libre. Je suis libre. Je vis ma vie, je m'éclate, je hurle, même si je suis tout seul, alors que je ne devrais pas. Mais j'ai l'impression de retourner à l'état sauvage et je suis heureux.